Bon, c'est parti, moi, go à la salle de sport. Je vais aller travailler le dos un peu, le cardio. Je vous ai dit, je reprends la diète. En fait, j'étais montée à 77 kilos. Aujourd'hui, je suis à 74 kilos. Donc, j'ai déjà perdu beaucoup de kilos en trop depuis ces derniers jours. Je suis contente. Objectif, redescendre à 70, voire 65. J'ai un de ces démons, vous savez même pas à quel point. Genre à la base, là, je vais tranquille pour aller à la salle de sport de ma résidence. En fait, du complexe de District One. À la base, moi, j'ai acheté plusieurs biens ici, d'accord? Jusqu'à là, vous suivez. À la base, j'avais la villa que j'ai revendue. Ensuite, j'ai acquis plusieurs biens. J'en ai pas que un, j'en ai acquis plusieurs. Dans mon bâtiment de un de mes appartements, la salle de sport n'est toujours pas prête. D'accord? Déjà qu'ils ont eu 2 ans de retard à me passer les clés de cet appartement. Plus là, la salle de sport est toujours pas prête. Il y a tout l'équipement dans la salle, mais la salle n'est pas prête. Donc je me suis dit quoi? Je vais aller à la salle de sport principale de tout le complexe pour aller faire mon sport aujourd'hui. Sur la vue de ma mère, j'arrive à l'entrée, elle me dit non. Elle me dit non, c'est accessible que aux villas. Mais en fait, les gars, moi, quand j'ai mis mon oseille pour acheter ces appartements, et ils ont vendu tout le complexe. Ça veut dire que même cette salle de sport, on me disait ça, t'auras accès, nanana. Moi, je déteste les trucs comme ça, là. Les surprises comme ça. Ça veut dire que là, j'ai demandé au manager, je suis passée un peu au-dessus. Là, faut que je demande. Genre là, aujourd'hui, j'ai pas le droit de faire ma séance de sport. Oh, vous savez, j'ai un de ces démons qui est juste incroyable. Parce qu'en fait, c'est pas le fait de faire un chichi ou quoi que ce soit. C'est qu'à la base, c'était prévu dans tous mes biens que cette salle était accessible. Aujourd'hui, en fait, ça a changé de constructeur. Et monsieur le nouveau constructeur a décidé de enlever l'accès à toutes les résidences. Mais en fait, c'est pas normal. C'est pas normal. Ça veut dire qu'on te vend un truc avec un truc intégré dedans. Et une fois que eux, ils ont décidé de vendre le complexe à quelqu'un d'autre, la personne a changé les règles, sans même le dire. Mais moi, c'est pas écrit sur mon contrat. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Bref, en tout cas, c'était juste pour vous expliquer pourquoi aujourd'hui je ne fais pas de sport. J'ai un de ces démons incroyables, mais vraiment. Genre vraiment, 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 il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas à bloquer l'accès comme ça. Je suis verte. Bon, bref. Je vais voir donc demain là pour essayer de régler ce petit ragnagnan là. Faut que je passe au manager, des managers ici, que par mail, que par truc, puisque moi j'ai bien les écrits, bien sûr, où on me dit que j'aurai accès à la salle de sport principale. Donc ça, faut que je le règle demain. J'ai hâte que la salle de sport dans ma résidence, elle est prête parce que je peux vous garantir que ça m'arrange pas de prendre ma voiture pour venir à la salle de sport. L'autre, elle est juste en face de chez moi, donc du coup, ça m'arrange pas. Mais ça m'énerve quand même qu'ils vendent un certain truc et que derrière, en fait, les gens changent les règles comme ça, en fait. Bref, une futilité qui m'énerve un peu. Mais il y a plus grave dans la vie. La vie est belle. On continue. Je suis juste dégoûtée de ne pas pouvoir faire mon sport. Genre, j'ai été trop motivée. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, quand tu sors, t'es motivée et tout, nanana. Et qu'on dit, en fait, non, rentre chez ta mère.